Mes chers compatriotes, cari compatriote, les 3 et 10 décembre prochains, vous déciderez de l'avenir de l'ensemble de la Corse. La liste Front National, Rassemblement pour une Corse républicaine, incarne le rassemblement du peuple de Corse et porte l'espérance d'un avenir de paix, de justice et de développement. Chef d'entreprise, père de famille et maire de Prum, en Castagniccia, je connais les problèmes liés au développement de l'intérieur de la Corse. La voix de la ruralité risque de s'éteindre. J'entends la défendre et la faire entendre au sein de la collectivité unique. Les élus insulaires ont devant leurs yeux le constat de leur propre échec. Une région surendettée, 22 000 chômeurs et 20% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Une immigration massive encouragée par les dirigeants politiques dans l'escroquerie intellectuelle et électorale de la communauté de destin. Le peuple de Corse est une communauté de liens et de vécu, des Obaes et des Ugadenaccio et des Diurisal Viregir. Un risque écologique, environnemental et sanitaire majeur, conséquence d'une pollution durable des sols causée par l'enfouissement des déchets. Une multiplication des taxes et impôts régionaux pour financer les intercommunalités et une collectivité unique. Les dirigeants politiques qui se sont succédés ne peuvent plus cacher leurs responsabilités et pourtant ils sont prêts à toutes les concessions pour rester ou revenir au pouvoir. Face aux difficultés de la Corse, face à l'aventurisme politique qui vise à nous séparer de la France et de la solidarité de la nation, nous voulons une action politique forte. Nous serons les élus du travail et de l'emploi grâce à la création d'une zone de relance économique sur toute la Corse. Nous serons les élus de la protection environnementale grâce à la création d'une unité de valorisation énergétique produisant de l'énergie à partir de déchets. Nous serons les élus de la lutte contre la spéculation immobilière grâce à la création de zones d'aménagement concertées permettant de réguler les prix du foncier et aux Corses d'être propriétaires sur leurs terres. Je vous propose donc de nous rassembler pour réussir, d'agir ensemble pour changer radicalement de politique, en un mot, défendre la Corse.